C'est parti pour beaucoup de GTA. Il va y avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VOD. Non, pas du tout. Il va y en avoir. C'est quoi une soirée de. Une soirée de 4 heures, c'est quoi? C'est 5 VOD, 5, 6 VOD? Je sais pas. On y va. Allons dans GTA. Et n'oubliez pas, surtout. Enfin, voilà, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est. Lisez l'histoire! Bon, on y va. Alors. C'est parti pour ce magnifique jeu. Je ne sais pas du tout où on en est, comme d'habitude, alors que j'ai joué il y a 12 heures. Hein. Ouais, lol. On a fait les retrouvailles avec Michael, tout ça, Michael. Et on s'approche de la fin de l'histoire, on prépare le Big One, alors que vous savez que le FBI a demandé... C'est n'importe quoi, ce jeu, c'est pas du tout réaliste. Alors que le FBI, disais-je, a demandé à Franklin d'essayer de trouver un moment pour tuer comment il s'appelle, Trevor. Trevor. You have not enough minerals. Et bienvenue à Jerick 052 qui s'abonne à la Zerator Télévision. Je te souhaite la bienvenue. Tu fais partie de ces gens aujourd'hui qui s'abonnent et qui sont exceptionnels. Bienvenue à toi. Alors les viewers qui ne s'abonnent pas, vous êtes tout aussi exceptionnels, ne vous en faites pas. Est-ce que c'était pas ma mort la plus rapide de GTA dans toute l'histoire de mon gameplay de GTA? Salut. Attends, lui c'est mieux. Ah oui, c'est vrai, il fallait qu'on aille là voler la foreuse, je me rappelle. Je viens de passer une semaine de vacances à FK devant YouTube sur le Zerator TV, juste parfait. Sérieux, Sexy Pounded? Salut, Sexy Pounded. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, une semaine, donc j'imagine. Salut à toi, bienvenue Sexy Pounded, et merci de cette donation extrêmement généreuse qui te fait donc passer en Top Donator pour le moment. Non, parce qu'il y a des fois, il y a des fous. Les Top Donator, vous savez, c'est... Des fois, il se réveille, on sait pas trop d'où il sort. Alors, go! Donc, il faut voler la foreuse, je m'en rappelle! Alors, c'est pas vrai, on n'a pas du tout eu des problèmes. Au stream précédent, on a essayé de... Saloperie. On a essayé de pas saloperie, de voler la foreuse, évidemment. Ce véhicule ne peut pas servir pour votre fuite. Je sais, je te calme. Chaque chose en son temps, j'essaye d'abord de voler la foreuse. Alors évidemment, on ne peut pas prendre une citadine, car pour le coup, Big One, on est 1 milliard sur le coup. Donc il faut une voiture qui possède 1 milliard de place. Néanmoins, on a vu que le jeu était assez nul. Salut! J'ai vu tout ça devant la police, mais like they give a fuck. Ah, it's just Jimmy. An online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim, you're taking me up Bantam Canyon in this charcoal-colored landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me! Et did Jimmy, non. Can't do it, son. Get yourself out of this mess. Okay, well, how much of my father's money do you think it'll take to get me out of this situation? Bâtard! En fait, il a insulté un mec sur internet et le mec l'a capturé pour aller le tuer dans la vraie vie. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ah oui, alors c'est vrai. Oh, mais c'est la nuit, du coup, il y a personne. Mais c'est génial. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Parce que c'était le jour et je m'en bats les couilles. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Bon, alors. Il y a pas la foreuse. Bonjour, mon brave. Auriez-vous l'obli... Hey, what's your problem? Ok, vas-y. Il est trop vénère. Auriez-vous l'obligé de m'indiquer où est la foreuse? Oh, what? Ce garde a apparu. Et du coup, pas de foreuse ici. Il faut attendre. Il faut attendre le jour. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Comment on fait? Je suis méga déçu. Est-ce qu'on peut dire à Michael d'attendre là? Attendez. Contact. Ouais, allô? Ça va mieux? Excusez-moi. Jim, it's your dad. I thought we could do something. Pop. Mais putain, pas du tout. Bonne tentative. Bonjour, Zerator, j'ai une question qui me fait oublier. Les émissions telles que les Tea Time ne vous manquent pas un peu? Je trouve que vous étiez très bon dans cet exercice de présentateur. Merci à toi, Lisbeth Battery. Lisbeth Battery. Mais c'est vrai que c'est un truc assez difficile à mettre en place sur le net, et quand tu prends des émissions hebdomadaires avec des invités, le problème c'est que moi je suis un peu un perfectionniste, du coup j'essaie de faire ça bien et du coup je le fais pas.
j'arrive pas à le faire bien. Et du coup, c'est pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais putain de merde. Vous voulez dire que la foreuse n'est plus ici? Non, pardon. Et pour les tea time, honnêtement, je préférais les faire IRL. C'est un truc que je voulais beaucoup faire quand j'avais la ZTV avant. Et quand j'étais entré chez Eclipsia, j'avais dit ah, je vais enfin pouvoir faire des trucs comme ça. Et je l'avais fait. Mais c'est vrai que. C'est vrai que sur le net avec par Skype, je suis pas très fan. Après, je pourrais essayer. Jamais vraiment essayé, mais je suis pas très fan. Alors voilà, je savais que ce véhicule pourrait servir pour notre fuite. Par contre, j'aimerais beaucoup pouvoir démarrer. Hein. Est-ce que la foreuse a apparu? Non, parce que là, le point est réapparu sur mon truc. Peut-être que la foreuse a apparu. Bon, je pense que non. Allons au garage, le plus proche d'ici, c'est-à-dire. Là! Station de lavage. Pas du tout. Pas du tout. Il faut aller à la bombe de peinture. C'est trop chiant, il n'y en a pas. Attendez, je suis aveugle ou quoi? Bon, j'en cherche une qui est prête en fait. Putain, c'est pas vrai! Ah là, putain, il y en a un là! Oh putain, la vache! Oh, oh l'aveuglance! Bon, alors on va booster cette voiture en attendant que eh bien, le jour se lève. Le jour se lève! Yeah, 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 yeah! Sur ma peine, alors le monde entier, yeah, yeah, fait l'amour, mais ça n'a pas d'importance, wow, wow, wow. Car c'est à toi, toi, que je prends, wow, wow, wow. Je me rappelle plus de cette chanson, mais c'est une vieille chanson, hein. Très vieille chanson. Alors, réparer le véhicule, yes. Blindage, ouais. Frein, ouais. Moteur, ouais. Klaxon. Silence. Là. Éclairage, kit néon. Couleur néon, support néon. Vive le néon. Bandeau néon, plaque. Ça c'est plus discret. Peinture. Putain, ça va chier. Classique. C'est où les autocollants? Oh putain! Excellent. Suspension. Transmission. Turbo. Roue. Accessoire de roue. C'est quoi? Fumée de pneus. Fumée de pneus. Pneus à l'épreuve des balles. Les idées sont à l'épreuve des balles. Pneus. Fumée de pneus patriotiques. Je sens qu'il va y avoir des drapeaux américains, ça va être énorme. Type de roue. Waouh! Est-ce qu'on a les jantes de Jimmy en dollars? C'est très chiant par contre ce bruit de fond derrière. Mais bon, hein. Oh, waouh! Jantes de série, pas du tout. Cutter. Attendez, je cherche un truc. Bon bah écoutez, c'est bien. Fenêtre. Méga teinté de ouf. Et voilà. On achète tout ce qui est le plus cher, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Alors c'est tout. Oh. Pourquoi il y a deux? Pourquoi il y a deux indications HS? Regardez sur ma map en bas à gauche là. Il y a HS par là et HS par là. C'est pas du tout par là. C'est la radio qui est plutôt... Ce serait con de se faire écraser par un train maintenant, là, tout de suite. Et là, il y a un... Ouais, là, il y a le HS par là, d'accord. Et si je vais genre... Par là, il y a un HS par là. Ah ouais, là. Sans deck. Il y a un truc là. Dester t'a envoyé un message pour le train. Ah ouais, de quoi? Pour le train, une locomotive ou un wagon fera l'affaire. J'ai dégoté une grue volante. Transporter de l'or. T'as plus qu'à récupérer un train de marchandises. Ouais, ok. Par contre j'aimerais bien utiliser mon GPS. Alors là je roule pas sur une voie très, très terrible hein. J'ai très peur de croiser un train à vrai dire. Ou un métro, whatever. C'est bon. Je l'ai croisé au bon endroit. Du coup j'ai pu l'éviter. En fait ce qui va se passer c'est que là je vais faire ça. Je vais aller voir le point là-bas au fond. Et ensuite,
Et ensuite, nous cacherons cette camionnette. Camionnette qui est un peu nulle malgré son tuning. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une très bonne tenue de route, pousse-toi. Au moins, elle n'est pas très voyante et elle a une couleur assez commune. Du coup, je pense pas qu'on pourra me repérer dans la rue. C'est ça qui compte, hein, surtout. C'est à 5 km. C'est à 5 km. Donc là, 5 km, c'est plutôt loin. L'occasion pour nous de discuter. Et en plus, c'est très rare qu'il n'y ait pas de dialogue. Ah, attention! De dialogue pendant les longues... Je peux pas me faire ça. C'est rien, un événement aléatoire. Ce connard vient de me dévaliser. C'est pas de chance. Shit happens, j'ai envie de dire. Donc du coup... Ouais. Alors si vous venez d'arriver, sachez que il y a plusieurs épisodes sur GTA sur ma chaîne YouTube et j'essaie de faire un let's play complet de la campagne. D'ailleurs, ça m'étonne un petit peu car Rockstar Games avait dit qu'il défoncerait complètement les gens qui feraient leur campagne sur YouTube. Donc moi, j'étais en mode, bon, c'est pas grave, on va quand même essayer de la faire. Peu importe, il n'y a pas les VOD parce que je trouve que la campagne est quand même cool. Et en fait, rien. Et peut-être que... Ah, il y a des gens qui arrivent qui sont en mode, ouais, Domingo qui rejoint au gaming, est-ce qu'on en parle? Alors... En fait, bon, moi ça fait longtemps que je le sais. Vous savez que Domingo est un joueur principalement de League of Legends et il voulait essayer d'attirer un petit peu une autre audience que League of Legends pour ne pas s'enliser dans League of Legends et essayer de faire que ça ou quoi. Et donc il était en mode qu'est-ce que je pourrais bien faire. Il a dit comme première transition, refaire du commentary, je trouverais ça bien. Mais refaire du commentary tout seul, ça n'aurait aucun sens sur ma chaîne. Et du coup, il m'a dit est-ce que tu penses que si je rejoins au gaming, ça c'est abusé, est-ce que ça choquera les gens et tout. Je lui ai dit mec, t'as pas oublié le véhicule de fuite? Ouais, ouais, non. Je dis mec, tu devrais trop aller chez O'Gaming. C'est une structure bien en place. Ils sont pas loin de chez toi. Ils ont des tonnes de compétitions. Donc clairement, et en plus ça élargira un petit peu ton public. Ça te fera découvrir à des gens qui ne suivent peut-être que les castes et pas forcément les joueurs de solo queue sur Twitch ou quoi que ce soit. Donc moi je lui dis fonce. Et donc Domingo a proposé à O'Gaming de faire quelques castes de compétition. Mais il va continuer sa chaîne en indépendance à côté. Donc voilà, les gens sont en mode ah, il rejoint O'Gaming et tout. Oui, c'est vrai, pour faire du commentary. Il va participer à quelques trucs sur O'Gaming TV, mais il ne s'agit pas évidemment de rejoindre la structure à plein temps, faire des streams de solo queue chez eux, etc. Par contre, il fera partie du crew de Shoutcasting, donc il est possible qu'il fasse des events avec eux de temps en temps ou quoi. Et moi, je trouve ça bien. Merde. Moi, je trouve ça vraiment bien, il a raison. En plus, il aime bien commenter du LOL et il le fait apparemment assez bien. Moi, je suis personne pour juger ça, j'en ai aucune idée. Trevor ! Hey, Trevor, I need your help. I'm taking down that train we need for the UD, and I'm short a pilot. Fine! I think Lester arranged for the chopper to be at my airstrip. I'll go get it. Cool. Let me know when you're there, and I'll be on a headset. I'll be on a headset. Neutraliser les ouvriers de chemin de fer. Mais les pauvres ouvriers de chemin de fer qui ont rien demandé. Bon, attendez, j'avance. J'avance près de la mission. C'est là. Ayrton. Ha! Attendez, peut-être que je pourrais... me cacher ici avec mon véhicule de fuite. Salut Lester. Non, catastrophe. Non, arrête. Putain, ah, peut-être qu'il faut que je sois dedans. Il faut peut-être être dedans. Non, comment on fait? Putain, on peut pas? Ah, mais ce véhicule ne peut pas servir pour ma... Mais si, il pouvait servir pour ma fuite. Peut-être que je peux pas parce que c'est trop près d'une mission. Je vais essayer de m'écarter un peu. Attendez. Je peux l'appeler depuis le véhicule. Ouais, attendez. Oh putain, mec, t'es pas sérieux. Je déteste quand le jeu fait ça. Si j'avais pas envie de commencer tout de suite la mission, hein, Taras. Cool, j'ai perdu ma voiture que je viens de tuner pendant un quart d'heure. C'est vraiment génial, hein, quel jeu de gros fils de pute. Hein, allô? Oui, donc bah sinon ça va. Oh merde. Non, il a pas pu appeler les flics maintenant. Non mais ce jeu est merdique. Il dit j'appelle les flics. Il descend, tu le tues. Les flics ont été alertés. Jeu de merde. Fait par des merdes pour des merdes. Ce jeu m'insupporte. Bref. Et ben on va faire comme ça. On va y aller de manière discrète. On va l'assommer.
Super. Allez au poste d'aiguillage, appuyez sur machin pour changer la voix. Well, good for you. I still ain't at this alley. Attendez qu'un train s'arrête sur la voie. Mais il faut rester là ? Oh, ça alors ! Un train va arriver pile à ce moment-là ! Le hasard fait bien les choses. Mon dieu, où est le script ? Où est le scurrypt ? Il y a quelqu'un qui vient d'écrire. Zerator, pour te prouver mon amour, j'ai inséré un AIENT dans mon partiel de physique en espérant que mon correcteur te suive. Alors, ne faites pas ça. Faut pas faire ça, hein. Prenez le contrôle de Trevor. Non, pas comme ça. Faut pas faire ça, hein. Faut pas mettre AIENT dans vos copies de physique chimie, hein. C'est une faute d'orthographe. Les fautes d'orthographe vous décrédibilisent, d'accord ? Auprès des correcteurs. Pensez-y. Et il est trop classe, cet hélicoptère ! Vous savez, c'est les gros hélicoptères qui vous permettent de soulever, ils ont des moteurs de porc ! Et du coup, là, énorme aimant, absolument génial. Il y a un mec qui a dit, alors comment dire pour le correcteur ? En fait, c'est moi, t'es là. C'était moi. Alors, le véhicule doit être sur la route la plus proche d'Erator. Oui, il est pas là ? Non. Camionnette verte. On se verrait. Descends ! Slowly, T, nice and slow. Pardon ! Non mais lève-toi ! Qu'est-ce que je fais ? Lève-toi ! Mais qu'est-ce que je fais ? Putain, je me trompe de sens. Voilà. Bon, je vais remonter, ça me saoule. Heureusement, les hélices de l'hélicoptère, hein, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. T'as pas droit à l'erreur, ça se voit. En fait, faut la prendre à l'endroit, c'est ça. Parce que là c'est à l'envers. Oh, what? C'est à l'envers, je vais tenter à l'endroit, d'accord. Hop. Tente de monter un peu. Ah non, 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 non. Mais c'est chiant, d'habitude j'arrive très bien à faire ça. Voilà. Là c'est bien, non? Allez, salut, hein. Apportez la locomotive. Une chance qu'elle était décrochée de tous les wagons. Oh wait. Looking good. Once you come back and get a flatbed car, we'll be all set. Y'a un mec qui se balade avec une locomotive. Putain, c'est n'importe quoi. Heureusement les fils ne sont pas texturés, hein. On le répète encore une fois, merci aux développeurs. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. Grosse parole, merci beaucoup. Oh merde. Déposer la locomotive sur la remorque. Ouais, vas-y, c'est bon. Heureusement, le jeu est permissif en plus. C'est bon là! Oh vas-y! Parfait! Non? Ça a activé mon téléphone. Allez, lève-toi! Le jeu fait n'importe quoi! C'est pas du tout moi qui fais n'importe quoi, c'est le jeu. Ah! Locomotive! Oh wow! Coming back for the car. Récupérer un wagon plein. Vous avez vu? Vous avez vu à quel point je l'ai bien lancé sur cette remorque? Formidable! On continue, mesdames et messieurs, allons-y! Putain, j'ai failli me prendre le truc, je regardais pas. Ça aurait été génial. Oh putain. C'est bon. Heureusement, c'est un hélicoptère indestructible et... Par contre, putain, j'ai toujours l'impression d'être plus haut parce qu'en fait, le bas de l'hélicoptère... Putain, mais en fait, je vois que dalle. Voilà. Ah, c'est bien mieux. Oh ouais, recule un peu. Zlataner... Et rentrer dans le... Pourquoi pas
voilait ou transportait. Hein? Prof de français. C'est dégueulasse, hein, ce que tu viens d'écrire. Mais j'ai compris, hein. J'ai compris. Peuple, je vous ai compris. Salut! Okay, oh, what? La puissance de l'aimant! Apportez le wagon plat à l'aérodrome de Trevor. Et là, regardez, quelle ne fut pas votre stupéfaction lorsque vous découvrûtes qu'en fait, il faisait jour et que nous allions pouvoir, eh bien, voler cette foreuse. Oh putain trop bien. C'est quand même génial. Il fait jour, tout était calculé. Oh là là, oh là là, est-ce que c'est possible? J'allais dire, est-ce que c'est possible que je one-shot ça, quoi? En fait, pas du tout, ce n'est pas possible. Bam! Hop! Nice posement, génial! Ah, maintenant, faut se poser, c'est ça? Oh! Sauvegarde! Mission accomplished. Attendez, mais je crois qu'on a toujours des parachutes avec Trevor, non? Est-ce qu'on a vraiment toujours des parachutes? Allez, vérifions! Normalement, on a toujours un parachute. Voilà! Parachute! L'hélicoptère. Il est là. Il va se poser. On parie qu'il explose même pas. Regardez ça. Et boum, il a même pas explosé. You said you wanted a train. I got you a train, Lester. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. Ce véhicule ne peut pas servir à votre fuite. Je sais, c'est un avion, by the way. Alors du coup, ah, on peut aussi aller voler. On peut aussi aller voler la foreuse avec Trevor. Allons-y. Hein? Ah non, c'est l'avion de voltige aérienne. Mais moi, je ne veux pas ça. Pas du tout. Je veux juste m'envoler. Ouais. Alors, pas du tout. Du coup, est-ce qu'on peut prendre un avion pour décoller et aller plus vite au bon point? Il n'y a rien du tout. Pourquoi il n'y a plus aucun véhicule volant? Oh, Patricia! Oh putain, j'ai pas vu son message! Je voulais vous dire. Quoi? Ça la cancel! Mais quel jeu de merde! Bon, bref, peu importe. Volons-le avec Franklin qui lui doit être en ville. Parce que là, c'est chiant. Parce qu'en gros, Franklin. Non, Michael est bien éloigné. Ah, il est chez lui! What? Alright, shit, it's time to go. Ah shit, it's time to go. Qu'est-ce qu'il est en train de lire, cet abruti? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il disait? Envoie pas! Putain! Super. Attention, tu n'as pas droit à l'erreur. Mon cul, oui. Incassable, le bordel. Voilà ce que nous a dit, eh bien, mes causes avec cette donation. Je te remercie, mec. Tu as été censuré par le site web. C'est dommage. Ce véhicule appartient à Franklin. Il ne peut pas être utilisé pour votre fuite. Ah oui, mais là, en fait, je prévoyais de voler la foreuse. Franklin qui écoute toujours la même chose. Hein. Ça va pas du tout. Il faut s'ouvrir musicalement, Franklin. Là, ça va pas. Niveau éclectisme, c'est pas forcément un exemple qu'on a sur GTA V. Mais bon, peu importe. Alors, si vous trouvez que le son du jeu est fort, c'est normal. C'est parce que dans GTA, il faut lire l'histoire! Voilà, c'est tout. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça, au secours! Un raccourci. Oh! N'importe quoi! M'énerve! Bonjour! J'ai besoin de votre taxi. Vous voulez un taxi? Vous pouvez bien savoir que vous êtes disponible en appuyant sur L. Any jobs I can pick up? This is dispatch. I got a job going right now. Oh yeah, I'll take that one. Putain, mais pas du tout. Je veux pas du tout m'occuper d'un client. Roger that. I'm sending you the location now. Ah! Ta 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 ta. Oh, ils allaient se rentrer dedans de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mec, continuellement. Putain, le taxi, ça va vite, hein. Sérieux, ça va méga vite un taxi, regardez ça. Regardez ça. Une petite voiture de sport. Alors on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir, le taxi driver. Mourir. Non mais sérieux. Méga vite. Le petit Franklin est attendu à l'accueil, il a oublié ses chaussures. Merci
cette donation. Alex Mock TV qui fait évidemment référence au dessin animé Franklin, la tortue. Putain, d'ailleurs, j'ai vu une image trop marrante sur internet. En gros, bon, vous la connaissez peut-être, mais. J'ai peut-être vu ou quoi que ce soit, mais en gros, t'as un gamin. T'as un gamin qui envoie à sa mère. Hé hey, j'ai trouvé cette tortue dans le. Enfin, en gros, il envoie deux images à sa mère. Il envoie une image où il a une tortue dans les mains. Et il dit à sa mère hé, j'ai trouvé cette tortue dans le jardin. Et une autre image où il la lance dans l'eau. Bon, donc la tortue est déjà en train d'être lancée dans l'eau entre les deux. Et il fait je l'ai relâchée à la mère, comme ça elle peut s'échapper. Et la mère lui répond c'était une tortue de terre, pas une tortue de mer. Trois petits points. Je trouvais ça horrible. Mais bien fun bref. Non, voilà, je trouvais ça très drôle. Là, c'est peut-être pas drôle du tout, hein, mais c'était drôle en vrai, je vous jure. Voilà. Allez, cordialement. Y'a pas de gardien? Attendez, chut. La dernière fois, il était là. Mais attendez! Me dites pas que la foreuse a disparu à tout jamais. Et là, y'a le truc du camion qui s'est levé, j'ai pas rêvé. Ne me dites pas que je suis victime d'un bug de jeu qui va faire que je ne peux plus finir le jeu. Parce que là, en gros, il n'y a pas la foreuse. You have not enough minerals. Code I4S vient de s'abonner. Bienvenue à toi, Code I4S. Merci de ton abonnement. Oh yeah. La foreuse est bloquée. Non mais ça d'accord, mais elle est où en fait? Parce qu'elle peut pas être bloquée là où j'étais. Ça m'a cancel la mission. Wow. You got... Ah et du coup ils poursuivent les flics. Il s'est fait rentrer dedans par les flics et comme le script dit if tu te fais rentrer dedans alors tu poursuis. Du coup voilà. Essaye de reprendre Michael et de revenir à l'endroit où tu l'avais bloqué avant. Et non je viens de le faire avec Michael, j'en viens. Si tu réponds pas à Dave sur ta présence au meltdown samedi soir, il va encore paniquer et tomber d'un tuyau. Non, je serai pas là au meltdown samedi soir. C'est pas qu'il faut le faire avec Michael. Ah mais si! Mais non! Non, 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 pas du tout. Parce que c'était en vert. Regardez, c'est en vert. Je peux le faire avec tout le monde. Je peux le faire avec tout le monde normalement. Va à la fourrière. S'il y a pas le point, elle a pas ce pot. Alors là, il y a beaucoup de gens sur le chat, c'est marrant parce qu'ils disent tu dois attendre de partir que le HS réapparaisse, elle va respawn. Mais en fait, pas du tout. Parce que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure et elle n'a jamais. Bah là, elle est là. Là, elle est là, mais tout à l'heure, non, elle a pas repop. Et là, elle est là, en effet, elle est là, je l'ai vu. Casse-toi. Elle est là. C'est bon. Mais tout à l'heure, il avait réapparu. Ah, mais j'étais peut-être pas retourné. Bon, mon mauvais. Pardon. Non, la mission taxi n'a rien bougé à la foreuse. Oh là là, ça suffit. Là, je cours. Ensuite, je me mets en discret. Et là. Oh! On assomme discrètement le garde. Tranquillou, pépère. Vous entendez? Vu que t'es trop invendu et que tu ne lis plus le chat et que tu lis les donations, tu viens samedi au Meltdown à Montpellier, salaud de vendu. Alors on lag, Dave? Poussez. Hein? Get down! The fuck. Mon dieu, c'était un chantier de Murloc! Salut! Ouais, je sais, je suis repéré par les flics. And so what now? Casse-toi, tu vois bien que j'ai une foreuse d'un milliard de kilos. C'est possible, les flics sont un peu sous poulet, donc. Ils comprennent rien du tout. On y va. Oh! Gabi, hey, Gabi He 87. Merci à toi pour cette donation extrêmement généreuse. La pelleteuse doit être avec la citadine. C'est une foreuse, mais on y pense. Les citadines qui ne peuvent pas servir de fuite, malheureusement. Merci à toi, Gabi, beaucoup. Pour ce don, merci beaucoup. Oh damn! Alors là, malheureusement, j'ai bien peur qu'il faille cacher cette foreuse. Mais vous avez vu le poids du bordel? Comment est-ce possible?
Comment je vais pouvoir cacher ce truc géant? Les flics vont tourner là. Ah non. Ah, c'est peut-être gagné direct. C'est peut-être gagné direct. Oh non, qu'est-ce que je fais? Faut surtout pas que je me cale là-dedans. Alors j'attends qu'on me cherche plus. Vous vous rappelez, c'est le quartier où on avait fait une grosse fusillade en remontant là. Alors j'attends en espérant que la pluie se tombe pas. Oh putain, elle tourne. Et pourtant elle tourne. Et se voilà, on a la foreuse. Hop. Frank. Hey, I got this big ass drill thing. What, no. Good. There's a guy working at the parking lot around from the Union Depository. He'll let you in. Shit, all right, dog. Ah d'accord, ça se fait tout seul. Très bien. Alors, il vaut mieux manœuvrer. Il faut mieux manœuvrer. Voilà. On sent que j'ai fait ça toute ma vie ou pas? Parce que j'étais routier en fait avant. Ceux qui ne me croient pas et qui ne le savent pas, vous pouvez regarder mes vidéos sur Euro Truck Simulator, j'en ai beaucoup parlé. Trop facile de semer les flics avec ça en tout cas. Yo dog, give me that truck. Give me that truck. This truck anyway. Give me that truck anyway. Give me that truck. No matter what you say. Mais on n'est pas loin de chez Franklin et de chez Lamar. C'est génial. Pas du tout, hein. Parce qu'en fait... Si, mais c'est l'ancien quartier. J'allais dire, la maison de Franklin, c'est Manidoula, c'est tout là-haut. Mais c'est le nouveau quartier, donc on ne peut pas vraiment le savoir si on ne s'en rappelle pas, comme moi. Qui ne me rappelle de rien du tout. Alors, on doit aller à 900 mètres, c'est pas très loin, d'accord. Hein. Oh putain. Fais-moi passer, j'ai une amie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un immeuble en travaux, c'est formidable. Les travaux n'avancent pas du tout, hein. 1 milliard d'années que je joue à ce jeu. Le temps de faire 10 000 braquages et tout, ça n'a rien changé. Mais je vous le dis, le jeu n'est pas réaliste. Il ne l'est pas. Oh non, fallait vraiment pas... Fallait pas aller là, c'est ça. Fallait descendre. Ah, fallait descendre. Ça m'arrange pas du tout. Ouais, alors... Comment on va faire? Demi-tour! Ah non! Regardez, il y a un raccourci! Là! Pousse-toi! Pardon! Ah non, pas du tout! T'es bien trop solide! Salut à toi, Saetio, qui vient de t'abonner à la Zerator Télévision! Merci du soutien! Merci beaucoup de t'être abonné! Alors moi je vous dirais pas que vous êtes tous mes frères en disant salut les bros, merci les bros, super les bros, salut bro, comment ça va bro. Je sais que c'est utilisé par énormément de streamers. Mais moi ce n'est pas mon genre, hein. Vous n'êtes pas mes frères si vous vous abonnez. Par contre, vous êtes des mecs cool de me soutenir. Il faut descendre. Faire un petit demi-tour, pas en trois temps, en un temps. Bam, un temps. C'est bon, demi-tour en un temps, ça passe. Ne faites pas ça sur les routes, évidemment. Ceci est réalisé par un professionnel. Non, je parle surtout de PewDiePie quand je dis bro, puisque c'est lui qui a un petit peu mis la mode de ça. Mais beaucoup de gens le réutilisent. Ah! Casse-toi! Mais attendez, mais en fait, j'espère qu'on peut briser ce grillage. Hey! Fait chier. Là! What the... Putain! C'est tellement chiant! C'est tellement gros! Casse-toi! C'est comme moi. Bonjour Zera, sur Twitter, tu parlais comme quoi tu as acheté un truc sur Amazon que tu allais montrer en live, tu l'as reçu. Oui! J'en ai parlé. Je vous le montrerai probablement dans l'Independent Dev, parce que ce sera plus adapté. Dimanche, donc, évidemment. Et sinon, c'était quoi l'autre? Et ta boutique vêtements goodies, ça en est où? Stand-by. Stand-by. Non, en vrai, ça avance, mais Your guy was cool, Les. The drill's in that lot. Once we've got the getaway vehicle, we're good to go. Go. Là! Il y a justement un véhicule... Non, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi, s'il te plaît, attends, petit jump. Venez là! Venez là!
Le véhicule a été abandonné. Regagnez le véhicule pour en trouver un autre. Mais sans deck. Lui. Est-ce que ça, c'est pas parfait pour fuir? Bon, seul. Alors? Alors? Quoi? Ce véhicule ne peut pas servir à votre fuite. Merde. Bon. Salut, petit soutien hebdomadaire. Keep on Lama, petite dédicace à Redislexique. Salut, Svinkels Lama. Merci beaucoup. Svinkels Lama qui est un habitué des lives, on le voit souvent. Salut. Il peut exagérer n'importe quoi. Bravo, il s'est fait écraser. C'est bon, je n'ai pas heurté sa tête, mais vous en faites pas. Alors, c'est où l'Union Depository? Je crois que c'est par ici. Du coup, ce serait pas mal qu'on le cache pas loin d'ici, histoire d'optimiser pour une fois ce qu'on fait. Hein? Que vous en pensez? Alors, essayons de trouver un endroit adapté à une fuite adaptée. Alors oui, je suis complètement avachi sur ma chaise. Non, je suis pas avachi, en fait, je... Là. Là. Là, ici, comme ça. Ok, c'était pas une bonne idée. Non mais si, c'est une bonne idée en vrai. Genre comme ça. Tac. C'est pas une bonne idée ça? Quelle musique incroyable. Véhicule prêt, voilà. C'est génial, je pense que là c'est une bonne idée. C'est pas loin de l'Union Depository, on est parfait. Hey, I got something we can use for the getaway. I'm gonna put it in that garage. Quoi? And I'll call you back. Okay, I'm not going anywhere. Mais pas du tout. Garer le véhicule dans le parking souterrain. Sans deck. Ah, d'accord. Il fallait juste préparer un véhicule et ensuite on vous le disait où le garer. D'accord. Je ne savais pas. Je pensais que c'était obligé qu'on trouve la cachette nous-mêmes. Du coup, pas de tuning. Je suis frustré par le tuning. J'ai déjà épuisé une citadine. Quitter le véhicule. Très bien garé, Spy to Spot. C'est génial. J'ai déjà épuisé une citadine et une magnifique camionnette verte dans le tas. Donc là, pas question que ça se fasse avec encore une camionnette de plus. Et j'appelle Lester. En fait, on s'en fout d'appeler Lester, en gros. C'est bon. Il avait dit qu'on le rappelle, donc je le rappelle. Ah, l'histoire avait dit qu'il faut que le rappeler, alors je le rappelle. Alors? Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Ah ouais, voilà, super. Jeu de merde, jeu nul. Ah! Non, c'est une blague. Pourquoi ça le rappelle? The getaway car is in the parking garage, Lester. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver dans 5 minutes pour la suite de ce gameplay. Ne bougez pas. À tout de suite. Je reviens. Oh mon dieu.